ses écrits, support de ses pensées, par le temps révélé, nous laisserons traduire ce qu'il aura conduit à nous léguer ainsi entre existence et vie. Dans un monde si clos, timide, de rationnel en mystique, une partie de lui, de demain, d'aujourd'hui, en quelques chansons obscures qui mirent à la torture, au gré du cogito, sa raison. Et par et ses notions bizarres, il nous fit donc sans plus d'un savoir inconnu pour que l'on se rejoigne en nos corps, en nos âmes, ailleurs ou bien ici, entre existence et vie. S'embrasera l'avenir du feu de nos souvenirs pour allumer l'espoir du fait de nous revoir. Nous qui ne nous savons pas, au fil de tout notre épave, sans visage, sans nom, nous nous reconnaîtrons. C'est lorsque seront déclos tous les actes de ces mots qu'enfin en l'univers se propulsera l'air d'un courant de perception où nos sens en mutation situeront l'infini, l'existence en la vie.